Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui sur GTA V et vous avez pu le voir en titre de cette vidéo, on va parler de ma musique d'intro, mais pas que, on va parler musique d'intro, on va parler aussi logo, on va parler également PSN et Xbox Live par rapport aux demandes d'ajout d'amis, etc. On va déjà essayer de suivre les flics, voir vers qui ils vont, je crois qu'il y avait un mec ou il y a un mec qui va me chercher des noises. D'entrée de jeu. Ouais, bah voilà. Bah oui, mais Zlatan, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis dans un 4x4, je viens d'arriver. Je suis Pepper Posey. Et non, le mec, bam bam. Voilà, on sait pas trop. Après, on se dit pourquoi il y a de la criminalité en France. Enfin, on est sur GTA Los Santos. On est à Los Santos sur GTA en même temps. Mais bon, c'est pas grave. Nous, on va sortir le fusil sniper. Et on va essayer de le sniper. Alors, pourquoi la musique d'intro n'est plus disponible sur ma chaîne? Alors, pour une simple et bonne raison. Vous connaissez tous la nouvelle politique de YouTube depuis janvier 2014, ça fait maintenant un an. À partir du moment où vous n'êtes pas détenteur de droits sur une musique, sur un film, ou peu importe, sur une vidéo, vous êtes exposé à des sanctions. C'est-à-dire que ma musique d'intro, même si elle fait 20, 30, 40 secondes, elle est soumise à des droits, elle est soumise à des droits d'auteur. Alors ce qui s'est passé, c'est que depuis maintenant quelques mois, c'est qu'à chaque fois, j'avais pour le moment, on va dire, un handicap assez certain pour quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, c'est qu'on m'a enlevé la monétisation de mes vidéos. Pour la plupart, pas toutes. Parce qu'il y a des moments, ça passait en dehors de la trappe. Donc voilà, pour ceux qui disaient, ouais, Dalkaï, il s'en met plein les poches avec YouTube. Bah, faut croire que non, puisque à un moment donné, quand on vous enlève la monétisation, ça veut dire que mes vidéos, mon travail, les heures passées dessus, le montage, l'upload, l'électricité, tout ce que j'ai à payer pour faire mes vidéos, partait dans les poches du détenteur des droits de musique. En soi, ça m'embête pas plus que ça, parce que je fais ça gratuitement, enfin, entre guillemets, quoi, je veux dire, je demande rien en retour spécialement de la part de YouTube. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, au bout d'un certain moment, eh ben, YouTube commence à se fâcher et vous dit, ouais, attends, Coco, là, ça fait quand même ton 60e avertissement, à un moment donné, il va falloir te calmer. Donc, soit t'enlèves ta musique, ou soit tu nous prouves que c'est toi qui l'as créé, cette musique. Ben comme c'est pas moi qui l'a créé, ben voilà, la seule chose que j'ai pu faire, c'est enlever cette musique. Donc pour le moment, il n'y a pas de musique d'intro ni d'outro, puisque ben dans les deux cas, ça va être pareil. Et je suis dans l'attente de rechercher une musique libre de droit. Mais pour ça, justement, on va y revenir. Je suis dans l'état d'esprit aussi de changer complètement de logo. Mais alors, cette fois-ci, ce sera un logo qui restera définitivement jusqu'à ma mort sur la chaîne. Enfin, je pense. Enfin, je l'espère au moins que je resterai jusque si tard. Alors, si je meurs demain, bah, je suis un peu dans la merde. Mais... Non, honnêtement, ouais, je vais prendre un logo basique, simple, qui me représente quelqu'un, je pense... Moi, je me vois comme ça, quelqu'un de posé, calme, un peu fail, un peu marrant de temps en temps. De moments, je sors des blagues vraiment, vraiment débiles. Bah après, c'est sûr que comparé, par exemple, à Minecraft avec la code ou sur MW3 avec la code ou MW2, je peux pas me permettre de... Ou il y a Payday aussi quand on l'avait fait avec la code. C'est vrai que je rigolais beaucoup, je faisais des blagues. Mais quand je suis solo, bah ça va pas le faire. Tu m'imagines dire, bah c'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un café et plouf, tu vois. Tout seul comme ça, c'est pas marrant. Si derrière, il y a personne qui rigole... Bah, c'est normal que je peux pas sortir des blagues sur mes vidéos solo. Après, voilà, je suis quelqu'un quand même d'assez dynamique comparé à ce qu'on a pu me dire dans certains commentaires. Mais donc voilà, maintenant, les gens qui vont me dire « Ouais, mais on s'en fout, laisse quand même la musique, moi je l'aime bien. Tu veux que je me fasse ban, c'est ça? Tu veux que je sois banni de YouTube, ma chaîne soit fermée? À mon avis, c'est que t'es dans ta jalousie. » Non? Allez, petite musique qui va te mettre dans l'ambiance. T'es content? Ouais. T'es content? Ouais. T'es content? Ouais. T'es content? Non. Si tu n'es pas content, ça veut dire que ça, c'est la jalousie. Ça, c'est la jalousie. Ça, c'est la jalousie. Alors, ça t'a plu cette musique?
Et ouais, tu vois, c'est ça un peu. Si t'es pas. Enfin, voilà, bref. Et j'imagine aussi les mecs qui sont derrière leur écran et qui disent Dalkaï, je vais lui mettre, j'adore ta musique d'intro, elle est bien, elle est fun, vas-y, mange-toi un bon strike. Et à mon avis, ils doivent rigoler comme lui le jour où je vais me faire ban. Alors, ça t'en a bouché un coin ou quoi? Alors, non, mais j'imagine comme ça les mecs. Hein. Et pourquoi je vais là? Moi, c'est pas là que je voulais aller. Et puis en plus, je voulais même pas mettre cette vue. Et puis de toute façon, je voulais une voiture qui va vite. Et toi, tu vas pas vite. Pardon. Mais écoute, mec, je vais passer en sens inverse. Où est-ce qu'on va aller? Bon, on va essayer d'aller à l'aéroport. À l'aéroport. Bah, du coup, j'ai pas le choix. Je dois repasser par là où je voulais pas passer. Puis on va peut-être prendre ce petit Porsche Cayenne. Wow, t'as pas vu que j'avais un casque? Je sais, j'ai pas de moto, mais c'était en affrontement. Boom, boom. Voilà. Et... ouais, petite... boom. Petite dernière chose également, pour ceux qui me demandaient souvent... Bah, Dalkaï, on peut pas t'ajouter sur PlayStation 4 ou PlayStation 3, puisque tu as activé la... la protection, là, je sais pas trop quoi, machin, patatoufin. Genre, on peut pas t'ajouter. Ouais, je sais, je l'avais activé fut un temps, puisque je recevais énormément de demandes d'amis. Et je pense que je vais continuer à l'activer. Et je vous ajouterai bah, pour des occasions spéciales. C'est-à-dire que, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo Bonne Année, hein, celle, bah, la précédente vidéo... je vais faire des vidéos avec vous, mes abonnés, donc ce sera sur des concepts, peu importe le jeu, que ce soit sur PS3, Xbox 360, Xbox One, PS4, PC. Mais à ce moment-là, c'est moi qui vous ajouterai. Comme ça, au moins, je sais que bah, j'ai ajouté telle personne pour tel truc, etc. Je ne vais pas ajouter tout le monde. Ce sera déjà, dans un premier temps, impossible. Parce que bah, y a quand même une limite hein, de 100 personnes sur les old-gen et de 1000... me semble sur les nouvelles générations pour la PS4 et la One. Maintenant, ceux qui possèdent la Xbox One, vous avez une chose assez simple que vous pouvez faire également. Moi, j'ai pas bloqué mes paramètres de jeu. Je pense que quand je suis online, on me voit online, on voit ce que je fais. C'est que vous pouvez me suivre comme sur Twitter. Aussi simplement, vous tapez Dalkaï, D-A-L-K-A-I. Il n'y a pas de 59 ni de tiré du bas 59. Tous ces gens-là, ce sont des fakes qui se sont amusés à prendre mon pseudo pour je ne sais quelle raison. Peut-être pas de vie. Allez savoir. Et du coup, je suis en sens inverse. Alors, on va se mettre en ligne droite, parce que là, ça va être un peu compliqué, sinon. Et du coup, ouais, vous pouvez me suivre, et vous pouvez voir ce que j'ai comme jeu, vous pouvez voir ce que je fais à tel moment. Donc, si je me connecte sur Advanced Warfare, bah, vous me voyez, vous pouvez me rejoindre aussi, vous pouvez m'envoyer des invites. Enfin, c'est assez cool, voilà. Maintenant, sur PlayStation 4, je ne crois pas que l'on puisse suivre quelqu'un sans l'ajouter en ami. C'est dommage, mais après, voilà, je fais rien d'exceptionnel non plus. Hein. Quand je vais sur GTA, ben, les membres du groupe peuvent me rejoindre. Quand je vais sur Advanced Warfare, ben, quand je ferai des concepts, je le dirai sur Twitter et Facebook. Vous pourrez me rejoindre également. Donc voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Je suis pas quelqu'un de refermé ou renfermé qui dirait non, je fais mes vidéos et laissez-moi tranquille, je suis dans mon coin, ne me touchez pas, je suis en PLS, position latérale de sommeil, parce que je dors. Non, je suis pas comme ça. Voilà, moi j'aime bien. Voilà, de toute façon, vous pouvez le voir hein, quand je fais des GTA. Même si je recorde pas, parce que je suis pas forcément en train de jouer spécialement pour YouTube, je joue aussi pour mon plaisir. Et y en a qui pourront sûrement témoigner, hein, qui sont venus récemment jouer avec moi ou contre moi. Ou bah, j'allume mon micro dès que je peux, hein, parce que bah, je suis pas forcément tout seul au moment où je joue. Donc parfois je peux pas forcément mettre le micro, parler qu'avec vous puisqu'il y a des invités chez moi ou quoi. Et non, je mets le micro, je discute avec vous tranquille. Et là, pourquoi je me suis chopé une étoile? Allez savoir. Et là-bas, il y a un mec. Il est où? Il a la pince. Il est à pied ou il est en mode?
Ah oui, il a un avion, le mec. On va essayer de le suivre. Il est en hélico, plutôt. On va essayer de le suivre. C'est dommage, c'est que j'ai rien. C'est dommage, c'est que j'ai pas de... Putain, du coup, on voit même pas où il est. Ah, si, il est là-bas. Et lui, il nous rapportera du bif si on le bute, hein. Ah ! D'accord. Il m'a buté, l'enfoiré. Enfin bref, voilà, c'était simplement, non, ça ne veut rien dire, simplement, ce n'est pas français. Donc s'il te plaît, reprends-toi. Non, simplement, voilà, j'ai pas la possibilité de garder mon intro, malheureusement. Je n'ai pas aussi la possibilité d'ajouter tout le monde. Et puis, s'il y a des designers parmi vous, des gens qui savent faire des intros classe, des logos classe, etc., bah, n'hésitez pas à me contacter via mon mail pro, qui est dans les à propos. Je pourrais le mettre dans la description, ce sera peut-être aussi plus simple pour vous. Et puis voilà, mais contactez-moi réellement si vous avez envie de m'aider, etc. Ne me contactez pas pour me dire ajoute-moi sur le PSN, ça va servir à rien, puisque bah je l'aurais déjà dit ici, pourquoi je n'ajoutais pas sur le PSN et le Xbox Live comme ça. Mais j'ajoute, hein, j'ajoute, il y en a qui peuvent témoigner aussi, à chaque fois je le dis. Hein. Et où est-ce qu'il est le mec? Est-ce que ça va le t'échouer? Oui, 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 du. Allez, allez, allez. T'as le mec, il est content. Je l'ai fusillé, je l'ai fusillé. Je vais me barrer parce qu'il va me shooter. Et j'ai du bif. Faut le mettre à la banque. Putain, j'avais plus que ça, je crois, en plus. Ah, je suis dégoûté, c'est pas voyage et transport, c'est argent et service. La banque. Menu principal, versement. Ouais, parce que j'avais fait pas mal de courses. On va déposer les 54 000 ici, mon ami. Voilà. On va attendre. Gentiment, on va essayer de pas se faire buter déjà. Je suis bloqué, laissez-moi tranquille. Ils m'ont pas vu, ils sont sérieux. Ils sont alcoolisés, les flics, dans le jeu. Ah, je veux pas rage quitte quand j'ai des étoiles, ça se fait pas. Où est-ce qu'on va aller après? Allez, vas-y, c'est bon. Oh putain, Narmol. What the fuck, le mec, il a grimpé. Bim, shoot, bim, bam. Ouais, vas-y, non, mais grimpe. Enfin, surface. T'as cru t'allais rester comme ça à vie ou quoi? Je pense que je vais finir par mourir. Hein. Allez, on va essayer de travailler un peu l'apnée aussi en même temps. Ouh putain, je me fais shooter là. 3 étoiles. Ouais, non, à un moment donné, je peux plus quoi. Voilà, on a travaillé l'apnée, les gars. Oh putain, ça y est, l'hélico, il... L'hélico, il va me défoncer. Non, laissez-moi tranquille. Allez, grimpe à l'échelle. Je crois qu'il a pas vu ce que j'avais fait tout à l'heure au mec. Non? Moi je pique une voiture dans le plus grand des calmes, tu vois. Damn. Bonjour messieurs de la barre chassée, pardon. Merci, c'était tranquille. Pardon... Oh putain, vous êtes nombreux, hein. Putain, si dans la vraie vie on vous appelle, vous venez aussi nombreux... Chapeau bas, hein. Chapeau bas à l'artiste. Allez, droite. Oh putain. Je suis dans le bon sens, on s'en fout, on accélère. Niam. Ouais, je fais le gamin. Oh putain, ils vont finir par me shooter, je crois. Pardon... Oh là là, tu as ouvert sa portière, il allait dire « Eh, c'est bon là, à un moment donné, faut laisser la route là !» Mais non. Non, ça marche pas comme ça, mec. Et je vais où? Mais putain, mais à chaque fois, je me trompe.
Bam. Allez, j'en ai rien à foutre, je suis un fou. Ok, j'ai même pas eu le temps de dégainer. En tout cas, j'espère que ça... Voilà, j'ai fait un retour en arrière parce que j'ai bégayé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de j'aime sur cette vidéo, un maximum de commentaires également. Abonne-toi si tu veux revoir d'autres vidéos assez sympas. Tu seras averti par YouTube via mail ou bien via l'interface des abonnements de ton compte YouTube. Et moi, je vais monter sur une... Tite. Ah non, on peut pas monter sur la tite. Mais lui, il se cache derrière un poteau. Allez, ciao tout le monde.